Hello, voilà l'épisode de l'après de ma vie, la deuxième partie de ma vie. Et ben justement, en 2016, c'est là que tout va basculer pour moi, qu'il y aura un avant et un après. Donc là, je vais raconter l'après. Alors, fin 2015, ben, mon corps a crié si fort au scandale que je finis par donner mon congé, car ben, parce qu'en fait, je gérais plus du tout mes angoisses. Et je me rappelle qu'un soir de septembre, ben, mon conjoint, il m'a vu rentrer du travail, il m'a dit... Je crois que c'est le moment que tu donnes ton congé. Et ça, c'est la phrase que j'attendais depuis tellement, tellement longtemps. J'arrêtais pas de lui dire, mais je veux me mettre à mon compte, je veux vivre du maquillage et tout ça. Puis lui, il me disait, mais non, on peut pas parce que il faut qu'on ait de l'argent pour les fins de mois et tout ça. Et puis, ben, si je me lançais à mon compte, c'était vraiment un peu l'inconnu financièrement et tout ça. Donc, en fait, j'attendais toujours sa permission, je me suis jamais moi donné la permission, j'attendais sa permission. Donc voilà. Et donc voilà, il m'a dit, ben je crois que c'est le moment que tu donnes ton congé. Et puis bon, en fait, j'attendais ces mots de libération depuis tellement, tellement longtemps. Et en me disant ça, ben en fait, il se rendait pas compte que ça allait tout changer pour moi, vraiment tout, tout, tout. Et même pas une heure plus tard. Mon corps s'est rempli d'urticaire alors que j'ai jamais eu ça de ma vie. Non, mais c'est un truc de taré, vraiment, vraiment. Là, je pense que la réaction, elle était à la hauteur de ma libération. Mais ça, c'était vraiment presque instantané entre le moment où il m'a dit « Donne ton congé » et la réaction de mon corps, quoi. C'est quelque chose assez fou, assez fou. Donc voilà, donc je décide de commencer à mettre en place ce qui sera ma meilleure vie. Et le 1er janvier 2016, je me lance à mon compte à 100%, donc comme maquilleuse, donc je n'ai plus aucun filet, plus aucun employé, rien du tout, employeur, rien du tout. Je suis à mon compte à 100% freestyle. On verra ce qui arrivera. Et puis, bah, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais, jamais, jamais eu de crise d'angoisse. Voilà. Je vous dis, c'est vraiment dingue tout ça. Et même en y repensant, bah, ça me semble complètement fou, le fait de m'être réaligné avec moi-même, avec mes valeurs, tout s'est remis dans l'ordre. Si j'avais su ça avant, ben, je crois que j'aurais fait avant. Mais en même temps, je pense que si je l'avais fait avant, ben, je n'en serais pas là où j'en suis en ce moment. Donc, toute chose arrive, je pense, quand ça doit arriver, même si des fois ça prend du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est aussi ben, à cette période qu'on décide de construire notre appartement. Et le fait d'avoir donné mon congé, ben, ça voulait dire que peut-être la banque allait refuser, ben, de nous octroyer un emprunt, un crédit. Et au fond de moi, j'étais tellement sûre, certaine, mais une confiance tellement forte que ça allait le faire, que je savais que ça allait le faire. Et ça a été dans ce sens-là. Donc, on a pu construire notre appartement. En 2018, ben, je décide de valider ma passion pour le sport en suivant des études pour devenir coach sportive, et puis ben, me lancer le défi de devenir coach sportive pour mes 40 ans. C'était un petit challenge que je m'étais lancée comme ça. J'étais d'ailleurs la plus vieille de l'équipe. Donc j'étais un peu celle qui ramait le plus au niveau physique, parce que tous les jeunes, j'avais l'impression que c'était facile pour eux de faire des burpees et tous ces trucs qu'on devait faire. Mais j'y suis arrivée. Franchement, j'ai dû beaucoup, 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 beaucoup travailler. Mais je suis arrivée et j'ai réussi tout ça. Donc voilà, donc à 40 ans, bah, je suis coach sportive également et je propose bah, mes services autant comme maquilleuse que dans le coaching sportif. Et petit à petit, je me rends compte que, bah, que le côté mental est très important dans le cadre de la pratique sportive et surtout bah, pour mes clientes qui viennent, bah, la plupart pour une perte de poids. Et puis c'est aussi bah, que d'amener le côté mental dans mes accompagnements, bah, en fait, c'est ma force. Et c'est un peu mon super pouvoir. Donc petit à petit, bah, je me détache des prestations de coaching sportif pour me concentrer bah, de plus en plus sur le côté mental. Ouais, ce qu'on appelle un peu plus bah, le coaching de vie. Et puis bah, tout en mettant toujours en avant le sport parce que le sport fait partie intégrante de ma vie et fait partie de mon équilibre, fait partie, m'aide dans ma confiance en moi. Et puis surtout, ben en fait, j'adore me challenger. Je crois que pour les personnes qui me suivaient, ben, vous avez déjà remarqué que j'aime beaucoup les challenges, me lancer des challenges en tout genre. Et voilà, puis ben, depuis 2016, ben, j'ai énormément travaillé sur moi, appris à me connaître, à faire la paix avec mon passé et l'utiliser comme une force.
et non pas comme quelque chose de négatif. Et franchement, bah, en fait, je me sens épatée et fière de mon parcours de vie parce que, bah, parce que en fait, il me permet de faire tout ce que je fais maintenant, de faire autant de bien autour de moi. Et vraiment, ouais, pour ça, je remercie la vie de m'avoir mis toutes ces merdes sur mon chemin. Parce que ça a vraiment été bénéfique. Après, voilà, j'ai vraiment pris le temps de travailler sur plein, 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 plein de choses dans ma vie pour avancer et pour pas que ça me pénalise par la suite. Ah, j'ai pas encore tout fini de travailler, mais franchement, ouais, je pense que j'ai fait à mon avis, 80%, donc je suis déjà bien. Voilà. Et puis, ben, le fait d'être à mon compte à 100% a aussi accéléré le processus, je pense, parce que ben, d'être face à soi-même, pour rapporter un revenu, ben, c'est aussi challenge, hein, vraiment. Donc, voilà, un peu dans. Ouais. C'était l'après. Et puis ben, après, ben, voilà, maintenant j'ai encore plein d'années qui me restent à venir et il va se passer encore plein de belles choses. Donc je me réjouis de tout ça. Et puis ben, voilà, je vais m'arrêter là. Puis ben, je vous remercie une fois de plus ben, de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt.